Laura Smet protégée de la célébrité / elle a eu une éducation normale. Cette semaine, Laura Adler a décidé de se pencher sur le lien entre parents et enfants et plus précisément sur la transmission, dans son émission L'Heure Bleue sur France Inter. À cette occasion, la journaliste recevait, ce mercredi 26 décembre, Nathalie Baye et sa fille Laura Smet. Les deux femmes sont ainsi revenues sur leur lien très fort, même si leur relation a pu être compliquée par moments. Moi j'ai pu me disputer avec ma mère fortement, j'ai pu lui en avoir fait voir de toutes les couleurs, mais aujourd'hui, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Une mère c'est un lien indélébile, a ainsi confié Laura Smet au micro de France Inter. La comédienne devenue récemment réalisatrice évoque d'ailleurs une enfance heureuse et normale, malgré son statut de fille. Cette dernière avoue que même si elle est la fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday, elle a relativement été bien protégée des affres de la célébrité. Franchement, j'ai tellement eu une éducation normale, que ce soit avec ma mère ou mon père et on m'a toujours protégée. J'ai eu une éducation totalement normale. Ma mère m'a toujours éduquée de façon normale. Je ne me suis jamais sentie pas à ma place, a également déclaré la jeune mariée. En ce qui concerne le sujet de la célébrité, Nathalie Baye est au diapason de sa fille. Elle sait que cette notoriété fait partie de sa vie, mais ça ne l'a jamais empêchée de mener sa vie comme elle l'entendait. Moi, ça ne m'a pas du tout empêché de vivre d'une manière absolument normale. Ça ne m'est jamais monté à la tête, ça ne m'a jamais rendue différente. La notoriété, c'est vraiment à part. C'est là mais ça ne m'empêche pas d'aller au marché et d'avoir une vie tout ce qu'il y a de plus normal, a confié l'actrice césarisée, ex-compagne de Johnny Hallyday.